everything is splendid. Son et Passion vous présente un nouveau lecteur chez Audio Research, qui est le CD6, qui est tout un autre concept par rapport au CD5 qu'il remplace, qui a fait une très longue carrière chez Audio Research et qui a été très réputé sur le marché. Cet appareil, en fait, est un tout-en-un qui intègre un super lecteur laser de haut vol, mais aussi un DAC de course qui est intégré à cet appareil et qui possède de nombreuses possibilités, notamment, comme on peut le voir sur cette vidéo, d'écouter la musique qui sort de son ordinateur avec l'entrée USB qui est intégrée donc au CD6, mais aussi une entrée digitale et deux Toslink. Donc c'est un appareil qu'on peut dire extrêmement complet en termes de connectivité. Audio Research a cherché une grande simplicité d'utilisation sous ce lecteur CD6, qui est plutôt extrêmement basique en termes d'utilisation. Dans le cas présent, je veux utiliser un CD. J'appuie sur la touche Input de ma télécommande ou directement de l'appareil en allant sur CD. L'appareil est en train de chercher un disque dedans, il n'y en a pas. Je lui en mets un, je mets le palipresseur, je referme la trappe. Et celui-ci donc va chercher les morceaux qu'il y a sur le disque 13 dans le cas de celui-ci. Tout simplement, je choisis mon morceau, je mets sur lecture et on devrait avoir de la musique. Voici l'affichage du lecteur CD6. Tout à fait en bas, on retrouve donc des touches arrondies, power, qui est la mise en route ou l'arrêt de l'appareil, previous, donc qui permet d'aller en arrière, play, la lecture, next pour le morceau suivant, pause pour la pause momentanée, stop, input, donc on peut régler directement en appuyant sur cette touche ou sur le lecteur, qui permet de mettre soit sur la fonction CD ou RCA, donc pour mettre en entrée digitale, USB, pour l'USB pour l'ordinateur, Toslink 1 ou Toslink 2, qui permet effectivement de mettre un appareil avec une fibre optique. À droite, vous avez la fonction Fast ou Slow, qui permet donc de régler la pente du convertisseur. Donc ça se définit à l'écoute. Upsample, ça permet de suréchantillonner le signal. Nous, en ce qui concerne au magasin, on laisse la qualité d'origine des fichiers. Power, donc indique que l'appareil est bien sous tension. La télécommande du lecteur CD6 regroupe toutes les fonctions essentielles de l'appareil, mais également celles qu'on utilisera peut-être le moins souvent. La connexion à l'ordinateur se fait à l'aide d'un simple câble USB. Audio Research a bien entendu aussi tenu à une grande simplicité d'utilisation avec un ordinateur et une prise USB. Donc tout simplement, il suffit de se connecter au site de chez Audio Research. Par exemple, vous allez sur Téléchargement et il suffit d'aller télécharger la version logicielle qui correspond à votre ordinateur. Dans le cas présent, un ordinateur Mac, et on télécharge donc la version qui correspond à votre appareil. Conseillons également de choisir, si possible, un excellent player. Il en existe plusieurs sur le marché. Par exemple, on va télécharger la version de chez Audirvana qui permettra donc une écoute en bit perfect avec l'ordinateur Mac. Et pour vous montrer l'extrême facilité d'utilisation, en fait, Audirvana est greffé à iTunes. Dans le cas présent, j'appuie sur Audirvana, directement iTunes s'ouvre et il suffit tout bêtement de demander de cliquer sur la pochette qu'on veut écouter. Voilà, j'écoute un fichier. Et toute ça fait possibilité de voir donc mon lecteur Audirvana qui lit mon fichier musical. Voici notre lecteur CD6 une fois ouvert. On remarque donc la base mécanique Philips Pro 2 avec donc un socle en métal extrêmement massif. Ici, nous pouvons voir donc une large alimentation qui est sur la gauche
à l'arrière de l'appareil la carte DAC et effectivement juste au-dessous la carte mère de l'appareil avec la carte analogique qui est intégrée. En termes de connectivité, le lecteur CD6 est plutôt complet avec des sorties analogiques aussi bien symétriques qu'asymétriques. En termes d'entrée digitale, donc deux Toslink, une digitale RCA et une fameuse USB pour connecter à un ordinateur. En termes de sortie numérique, soit une classique BNC ou AESBU.